Yo les gars, je viens de rentrer chez moi, là j'étais en ville avec des potes. Il pleut toutes les vacances. En plus du confinement. Mais y'en va ma merde, y'en va ma merde. Non en vrai voilà, je viens de rentrer chez moi et là tu vois j'ai pas trop envie de faire une vidéo, tu vois. Là j'ai envie de me poser, tu vois, t'es tranquille, t'es... Non, j'ai dit qu'aujourd'hui je tournais une vidéo, je tourne une vidéo. Je tourne une vidéo. Ok c'est parti, on est sur Silent Channel. Ah oui je vous ai pas dit, c'est un jeu d'horreur. Aujourd'hui, petit jeu d'horreur, j'ai pas du tout envie de la faire, mais c'est pas grave. Mais voilà, Silent Channel, on va tester ça, on va se chier dessus. Comme d'habitude, je vois que vous aimez bien ça, hein, quand je me chie dessus. Est-ce que je changerai pas les LED? Est-ce que on mettrait pas tout rouge comme pour les vidéos d'horreur? Non. Ok c'est bon la petite ambiance rouge. On est parti pour découvrir ce petit jeu des familles. Ah il est en anglais, déjà ça va mal se passer parce que s'il commence à mettre des trucs hyper longs en anglais, on va rien comprendre au jeu. Très vite, je voulais vous dire que je ne connais rien sur le jeu. Normalement, je me prépare un petit peu, j'essaie de regarder si le jeu est bien. Je ne sais rien, d'accord? Là, j'ai vraiment installé le jeu, on le lance, on découvre ensemble. C'est parti. Bah, la porte qui s'ouvre toute seule, hein, ça on connaît. Là, ça fait déjà 3 déjà vus. La forêt, le manoir, la porte qui s'ouvre toute seule. Les gars, faites quelque chose d'un petit peu innovant. Surprenez-moi un petit peu. D'ailleurs, j'ai pas mis le son très fort, je vais le lever. Voilà, il est juste à fond dans mes oreilles. Je ne m'entends même plus parler. Anybody there? Non, y'a personne. Y'a personne, le sang. Ah non, je peux l'examiner. Q, c'est où, frère? Je connais pas mes touches. Attends, Q sur un clavier en QWERTY, du coup c'est A. On est là, bah oui. Bon, je pense que vous devez en avoir marre que je parle non-stop. C'est en mode, mais vas-y, joue, ferme ta gueule. Mais ça me stresse. Bon, par contre, faut que je fasse quoi? Parce que si ça commence à être un jeu de puzzle et qu'il faut que je réfléchisse, ça va pas le faire par contre. Hein. Ah, je peux pas. I have to examine an event to completely my report first. Ah, j'ai pas complété mon rapport là. Là, j'ai pas tout pris là. Bah, faites un effort par contre, parce que vous me faites examiner rien en fait. Ah, c'est peut-être une très grosse démo en fait. Peut-être y'a que ça. Y'a que cette partie du jeu. Du coup, c'est fini. On peut arrêter de jouer, ça m'étonnerait. Clairement, ça m'étonnerait que ce soit sur Steam si on peut faire que ça. Mais par contre, vraiment, je sais. Je suis sûr que vous, depuis tout à l'heure, vous dites, mais fais ça. Mais je trouve pas. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je comprends pas. Oh, y'a une porte derrière l'armoire. Let's go! Oh, let's go! Ah, c'est bon, j'ai mis la clé. Ok, la clé servait à ça. Leave before it's too late. Thank you, dear ghost. I won't stay for dinner. Just a few photos. Ah, ok, donc moi, je suis un mec un petit peu qui croit pas trop aux fantômes et qui veut faire juste son petit journal, tu vois, d'accord. Bah, quand tu vas voir un mec qui va te rusher sur la gueule. En fait, ce qui est bien, c'est que je ne suis pas du tout comme le mec que je joue, clairement. Lui, il en a rien à foutre. Moi, je me chie déjà dessus alors que j'ai rien vu. But if you're from a distance, I wish it had never come true. Oui, j'ai compris. Ah oui, ah oui, il y a bonne blague. Ok, j'avais pas... Ouais. Alors, c'est très fort. Jesus. What was that? Et c'est tout? Jesus. Il est parti là, les gars. Il est parti là. Je vais pas y aller. Comment je pars par là? Allez, arrache-la, la grille, frère. T'es en danger de vie ou de mort, là. Oh, par contre, j'ai vraiment... Et j'aime pas. Dernière fois qu'on fait un jeu d'horreur, c'est bon. Dernière fois. De quoi, je dois repartir dans l'autre sens, là? Une porte qui se ferme. N'aie pas peur, mec. N'aie pas peur. Je veux pouvoir enlever mon casque au moment où j'ai un screamer, parce que j'ai... Toi, fais gaffe à toi, hein. Ah, merde, j'ai bon. S'il y a un deuxième screamer, là, je suis préparé, les gars. Ah, c'est bon. Ah, et c'est là. Je suis sûr, j'ai 500 IQ. Je voulais partir par l'endroit où il faut que je parte maintenant. Attends, par contre, il y a beaucoup de touches pour ce petit jeu. Bon, après, c'est une démo. S'il faut le jeu, là, il va faire 10 minutes, alors qu'au final, il va faire 5 heures. Deux choses avant qu'on continue. C'est le même endroit. Donc, normalement, si je marche dans une direction, je vais à un autre endroit. C'est point A, point B. Et c'est quoi, ça, qu'il y a devant moi, là? Mais vous avez cru je vais y aller, là? Mais je retourne en arrière. C'est mort. C'est trop long, hein, j'ai pas envie. C'est autant aller droit au but. Je déteste ça. J'aurais préféré qu'il me court dessus. Parce que au moins, j'y m'étais préparé. Là, il s'en va. Je sais pas où il va, frère. Il est dans le placard, hein, ce fils de méchant. Oh, viens là. C'est ma seule attaque. Je suis un lama, frère. Je peux pas remettre l'électricité. Eh, vas-y. Je peux pas prendre la bonbonne de gaz et lui exploser sur la gueule. Ok, est-ce que là, ça va se fermer devant ma gueule? Let's go, ça a pas l'air. Donc au final, je ne fais que aller en avant et aller en arrière dans cette maison, c'est ça? Oh, j'aime pas. Oh, j'aime pas. What the... There was a door here. Alors ça me met vraiment dans un mal. Alors là, pour ne plus avoir la porte de sortie, ça me met vraiment dans un mal. Je sens que je vais me retourner. Ok. Allez, c'est bon, t'es un guerrier ou pas là? T'es un guerrier! I'm so alone. Je suis au curseur. Ah, mais c'est mon curseur, c'est ma souris! D'accord, mais je croyais que tu... Non, mais je pensais y parler des boutons. Non, mais frère, c'est bon. Ah, c'est bon, je peux en fait. C'est bon, j'ai entendu assez.
Non. Alors ça va terminer comme dans la vidéo Baby Yellow. Ça va partir en couche, je vais finir au... J'ai peur des portes maintenant, à force de tous ces jeux d'horreur, j'ai peur des portes. Si c'est fini, je suis très heureux de pas finir sur un gros screamer qui vient clairement me faire un arrêt cardiaque, littéralement. C'est pas fini. Je pensais avoir fini. Déjà, je m'attendais pas à ce que ça sonne, je m'attendais à juste ouvrir la porte. Là, je viens de prévenir que j'arrive, c'est génial. Non, mais en fait, c'est un système de gravité et d'enchaînement des forces et des vecteurs qui font que la chaise bouge toute seule, c'est fait exprès. Ok, déjà, il n'y avait pas que deux jeunes, plus les trois hommes, je crois qu'il y avait. Sarah, Lila, Rezo. Là, par contre, j'ai un QI négatif. Quand je ne comprends pas ce que ça a rapport avec l'histoire, mais normal, je comprends pas l'histoire, tout est en anglais, donc... Locked, bah oui. Et là, la porte de nain, là, hein. La porte de nain, elle va pas être ouverte, elle. Ah bah voilà, je le savais, hein, je le savais. Ah ouais, développé avec le cul, votre jeu, hein. Ah bah ouais, ah bah, je peux pas monter aux escaliers. Et je fais quoi, alors? Par contre, premier degré, je fais quoi, moi? Ok, ok, ah mais wesh, mais le jeu est complet. Non mais premier degré, je m'attendais à un petit jeu en mode... Ok, non, c'est un vrai puzzle. Par contre, vraiment, je suis étonné. Vraiment, j'essaye de... J'ai envie de fermer le jeu, mais je le trouve sympathique à premier abord. Et donc du coup, il me faut des chiffres. Il me faut des chiffres pour le cadenas. C'est forcément avec ça. 32... Et non, c'est de 1 à 9. A few moments later. Mais c'est moi qui ai un QI négatif ou quoi? Que je trouve même pas un chiffre. 2 hours later. Les gars, je vous jure que je fais de mon mieux, je n'arrive pas à trouver les chiffres. One eternity later. C'est un type de solution de trouver, d'essayer de trouver la solution sur YouTube, hein? On a tous déjà fait ça sur un jeu, c'est bon, vous savez pas me la faire à moi. Attendez, c'est moi ou il est en train de faire la solution du coup par coup, du 0 à 999? Et après, moi, je dis que j'utilise la solution de facilité. Attends, c'est un truc de... Je trouve pas l'énigme. Du coup, je vais sur YouTube pour trouver un tuto. Le mec, il fait ça. C'est génial. Bon, bah, c'est 3-5-5. Ça me... Attends, quoi? Pardon? Attends, on a pas le même jeu, là. Non. Pourquoi, moi, ça marche pas? Ah, peut-être... Quoi? Mais pourquoi, lui, 3-5-5, ça marche? Ah, 3-5-4. D'accord. Ok, c'est ça. Ok, c'est ça. Waouh, mon cerveau, j'ai trop réfléchi là. Oh là, oh, on a trouvé l'énigme. Waouh, bien joué, bien joué. Comment j'ouvre ça? Bah, y'a rien. Ah si, la clé, let's go. Et prends-la, la clé, frère, le sang. Voilà, take. Les gars, truc de ouf, en plein de vidéos, je dois aller manger. Vous connaissez les darons, s'ils disent qu'il faut aller manger, il faut aller manger. On se retrouve dans 5 minutes pour continuer le jeu. Bon alors, c'était super bon, si vous voulez savoir. Franchement, un régal. Ça m'a permis de faire une petite pause, de me détendre un petit peu, pour repartir bien. Hein, voilà. Ok, qu'est-ce qui venait de se passer? Ah oui, je venais d'ouvrir la porte, et ok. Yes. Droite ou gauche? Gauche, parce que c'est plus proche. Il y a un truc ici. Oula, bon, ouais, ça se transforme en deux et tout. On va prendre la simplicité, hein. Ah! Ok, je pensais avec ma petite pause que je suis allé manger et tout, ça allait mieux se passer. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Arrête de me chuchoter dans l'oreille, toi. Je fais pas de l'ASMR, je suis quoi? Je suis sur une vidéo, là? Putain, à chaque intersection, j'ai peur. Mais frère, bon, on va enlever la lumière, ça me fait très peur, mais j'ai peur de plus avoir de lumière. Je comprends rien, j'ai un sens d'orientation explosé au sol, vraiment, littéralement. Je sais plus où je suis allé. J'en peux plus des portes, littéralement, cette porte va me faire peur. Ah d'ailleurs, petite intervention, vous avez vu la porte? Hein? Elle était, tu sais, elle était dégueulasse, pas peinte et tout, du coup j'ai mis des petites mousses acoustiques. Tous ceux qui font de la musique vont me dire ça sert à rien, je sais, c'est juste décoratif. Et ben c'est stylé, c'est stylé, on va, petite évolution dans le setup. Ok, c'est bon, on est reparti dans le jeu. Le jeu ne peut que se terminer sur un screamer, et c'est ça qui me fait chier. Et que là, pour l'instant, le jeu n'est pas terminé, donc c'est que je m'approche petit à petit d'un certain screamer, là, forcément. Et ça, j'aime vraiment pas. Oh, la mauvaise ambiance. On dirait ma chambre avec les lumières rouges, frère. Mauvaise ambiance. S'il faut, je vais rentrer dans la pièce, et ça va être moi qui rentre par cette porte. Oh putain, t'imagines le truc de ouf? Frère, fais un effort, j'en ai marre de retourner en arrière non-stop. Ah non, pas ça. Je suis content, c'est fini. On a surpassé